sur la toile, il y a les artistes qui préfèrent ne pas lire ce que l'on dit d'eux, faire la sourde oreille et poursuivre leur route sans faire attention aux avis des gens, et il y a les autres. Dont Aya Nakamura. La chanteuse n'est pas du genre à se laisser faire et elle l'a prouvé sur Twitter ce jeudi 2 février. En cause ? Son concert prévu à l'Accor Arena de Bercy le 26 mai prochain. Si a priori, l'interprète de comportement a tout à fait le droit de chanter là où elle veut, une internaute a eu l'audace de la traiter d'imbécile, elle et toute son équipe. Le même soir, une autre grande star, internationale cette fois-ci, donne également un concert au Stade de France, Beyoncé. Deux reines vont donc s'affronter dans la même ville et autant dire que malgré toute la déception que ce choix a provoqué, beaucoup préfèrent prioriser la chanteuse américaine dont la venue en territoire français est beaucoup plus rare. Pour certains et une en particulier, choisir une telle date correspond à se tirer une balle dans le pied, l'équipe d'Aya, ce sont tellement des imbéciles. Comment tu peux accepter de faire un concert le même jour qu'une Beyoncé? Le choix est catastrophique. Ce que cette fan ne savait alors pas, c'est qu'Aya Nakamura épluchait les commentaires sur Twitter et a fini par tomber sur le sien. Il ne lui a pas fallu plus d'une poignée de secondes pour dégainer une réponse bien piquante, digne de la grande Aya, cette pétasse me prend pour phénomène Raven. Me chauffe pas, a-t-elle rétorqué, faisant référence à l'héroïne Disney pouvant prédire l'avenir grâce à des flashs.